autre chose. Nous sommes dimanche et souvent, ce jour-là, on en profite pour faire un peu de sport. Ça permet de garder la forme, mais aussi d'évacuer le stress de la semaine et puis de partager des bons moments avec les copains. Ils sont des sportifs du dimanche et ils l'assument. Jérôme Domingue et Lucie Martin les ont rencontrés à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme. Et allez, c'est parti pour 30 secondes. Allez, chouchou, fais-toi plaisir. Chouchou, c'est l'ambianceur du groupe. Mais ça, je maîtrise bien, parce que quand j'étais petit, je faisais les chorés de Michel Sardou. Non, que François, là. Chouchou, c'est celui qui n'a plus fait de sport depuis les années collège et qui aurait encore la fâcheuse tendance à se cacher au fond de la classe. Je m'appelle Chouvi, donc ils m'appellent Chouchou. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, en fait. Mais c'est mieux que le gros, hein, ou le vieux. Serre les fesses, j'y sais, parce que si la caméra bouge, je crains un petit peu que nous voyons ton postérieur. Moyenne d'âge de cette drôle d'équipe, 45 ans, et qu'importe les cheveux blancs, les voilà tous ensemble pour en baver, dans la joie et la bonne humeur. On est tous parents d'enfants qui ont fait du judo ou qui font du judo, et on s'est retrouvés un jour autour d'une table en se disant bah, pourquoi nous aussi on ne pourrait pas faire du sport tranquillement pendant une heure. Parfois on boit des canons. L'avantage c'est que on fait aussi comme on peut. Voilà, il n'y a pas d'obligation à faire des pompes pendant 20 secondes quand on n'est pas capable d'en faire une. Vous en faites combien de pompes, là ? Moi, je ne sais toujours pas les faire. Après quelques squats, quelques séances de gainage, bref, de renforcement musculaire, 11 heures pétantes, fin de la récré. C'est quand le meilleur moment ? Quand on arrive, parce qu'on a plaisir à se voir et plaisir de transpirer et couper avec les ennuis professionnels, perso. Voilà. Et puis à la fin aussi, parce qu'on est bien content que ça se termine. Ça se voit d'ailleurs. Et dimanche prochain, tous ne seront peut-être pas là. Pas grave, après tout, tout sportif du dimanche a toujours une bonne raison pour sécher ses séances de décrassage. Tous vos applaudissements, n'est-ce pas ?